Bonsoir pour nous toutes qui branchez TNH et bienvenue dans le journal mi-temps journée. N'a pas démarré tout de suite avec information yo année l'école là l'ouvre officiellement sous tout pays à lundi 3 septembre là. Dans l'occasion président République là Jovenel Moïse avec plusieurs autres personnalités participer dans cérémonie lancement académique là dans l'école nationale Céline Lavoie avec l'école nationale République Brésil. Chef l'État première dame là Martine Moïse de profiter distribuer kit scolaire livre et uniforme by élèves yo. Sabine Acduverne était sous place, il y a dit nous plus dans un reportage. Yon l'école inclusive pour une nation solidaire, c'est sous thème ça. Année l'école 2018-2019 l'a lancé journée lundi 3 septembre. Pour année ça, autorité concernée a adopté plus dispositions pour éviter dérapage et puis pour permettre bien plus l'ordre dans le système. Nan. L'État aujourd'hui a respecté à la lettre parole, maman, loi, constitution qui dit si moun sorti première année, privé sixième année, pas de payer dans l'école. Déjà, contrairement à ça, nous sommes capables de vérifier la banque déjà recevoir eh bien, l'argent 50% pour 750 000 personnes qui trouvent dans la première année, privé dans la sixième année. Quant à les gens qui sont dans le lycée, instruction déjà passée à tout directeur départemental, à tout concerné, à ça. Quel que soit le monde qui est dans le lycée, il n'y a pas pour payer plus de 1000 gouttes pour toute année. Et dans 1000 gouttes, là, tout le monde est là-dedans. Frais d'examen, frais d'examen, dépliant tout là-dedans. Et nous lançons pinga à tout directeur du lycée qui connaît ou pas mal respecter ça nous dit là. Et nous prêts pour nous révoquer tout le monde qui est contraire à nos yo, qui est contraire à ça l'État dit. Et nous dites ça, je dis à tout. Nous-mêmes, dans l'équipe ça, nous prenons engagement après 5 ans présent Jovenel là pour nous aller, pour l'aller, pour gagner dans le système éducatif haïtien, pour ne pas rien mettre dans la salle de classe avec l'État. Il n'y a pas de l'État. Si nous-mêmes nous battons l'État responsable, nous sommes capables d'agir sur ça. Parce que pour nous entendre dans la salle de classe, c'est l'État pour nous-mêmes, c'est l'État qui est autorité nominative. Mais je m'en regarde qu'on fait dans des autres là. Nous venons nous dalle dans la salle de classe. Jodi a, nous traitons tout le temps. Seul quand nous va traiter, c'est une équipe qui nous rejoint des gens qui ont un système d'assaut avec faux papiers. Et dans ce sens, nous dévoyons dans la chambre des députés, dans le Sénat, mes présidents, commissaires d'éducation là, qui sont capables de témoigner. Tout juge, commissaire, gouverneur recevoir l'aide, nous recevons nos adresses enseignants qui prennent l'état d'assaut. Nous combattons la corruption à tous les niveaux. Président républicain Jovenel Moïse dit qu'il est important pour la société à gagner plus de monde qui a l'école. Chef l'État a été quoi? Terme l'école inclusive, une nation solidaire, hein? Tombé d'aplomb avec l'idée la prôner pour le développement pays. C'est pas gouvernement seulement qui est inclusif, c'est la société qui est inclusive, c'est le pays en général. Yon dit là qui vous solidaire, qui vous fait que vous n'avez pas de pays venu. C'est donc aujourd'hui, si vous entre l'école, mais entre l'école, ça a fait sous un fond de solidarité. Solidarité entre tout haïtien et tout haïtien avec tête ensemble. Parce que tête ensemble, nous ne sommes pas gagnés que nous avons réglé dans le pays. Après du développement que nous rêvons, nous tout dans tout, vous supposez maintenant l'ordre de discipline. Si moun sa aujourd'hui, qui prend l'école là, c'est eux qui prennent le grand monde de nous. Si nous avons une meilleure société dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer à faire des gens en cadre de nous. Mais je dis tout, là nous prenons une décision pour les gens entrer dans l'État sous concours. Si moun sa aujourd'hui, c'est pour ça qu'on prend l'école aujourd'hui, pour leur arriver dans l'âge, côté au fini l'école. Vous faites l'université. Vous n'êtes pas obligé son monde pas pour rien qui vous faire un job dans l'État. Pendant le lancement officiel, année l'école 2018-2019, là, dans l'école nationale Céline Lavoie avec l'école nationale République Brésil, coupe présidentielle là profiter, visiter quelques salles classes, distribuer kits scolaires, manuels et uniformes par élèves. Parmi en pile décision qui prend pour soulager parents à rentrer l'école là, il y a plus passé 100 000 uniformes. 220 000 kits et plus de 1 500 000 ouvrages qui ont distribué par les gens qui sont quartier défavorisés. Aïe, lundi 3 septembre 2018, l'an marqué ouverture officielle classio sous territoire national.
Dans ce sens, diverses activités faites pour marquer journée dans le département Grand'Anse, parmi eux, il y a une messe Action des Grâces. Ricardine Desanges, à Créchy de Gerville, a présenté un compte-rendu. C'est en présence de diverses autorités scolaires dans le département Grand'Anse, parmi eux, directeur départemental ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Jean Sodefin, dans cette action grâce à célébrer une façon pour l'ouvrir officiellement l'année académique 2018-2019 dans le département Grand'Anse. Célébrant principal, Monseigneur Marc-Arthur Émile rappelle la nécessité pour continuer les sacrifices qui fait de bon côté l'élève et professeur pour permettre une nouvelle année scolaire à réussir, pendant les féliciter parents et responsables dans le département pour façon yo te contribué pour la dernière académie 2017-2018 là que yon réussite. Sans l'école, une société est foutue. Sans l'école, un pays disparaît purement et simplement. L'école fait voir l'avenir différemment. Celui qui va à l'école peut continuer à espérer. Une façon de vous dire, chers élèves, l'école est importante. Chers élèves, je vous exhorte à prendre au sérieux vos études, car votre vie future en dépend grandement. Si l'Esprit Saint reste le premier protagoniste de la formation, vous êtes cependant un acteur incontournable dans votre propre formation. Directeur départemental ministère d'éducation nationale et formation professionnelle a encouragé les vieux pour le travail pendant les rappeler au engagement ministère apprend pour permettre si nous recevoir par l'instruction un plus bon compte. Nous le ça c'est bien réussi dans la mesure où attente nous combler mais ça a bien passé timounio là yo prêt pour l'école moi tout parent à pied d'œuvre donc l'ouverture est assurée. Attente nous c'est que l'école a fonctionné professeur yo directeur yo inspecteur yo fait travail yo et chaque monde qui gagne classe ou bay temps d'apprentissage là augmenter bay ti moun yo ti sa vini pou yo même yo gen espoir gen un avenir meilleur même j'en avec nous. Nous allons la Tibonite côté délégué départemental la Tibonite là Herbie Dalancourt distribuer kit scolaire bay élèves l'école Nagounaïs ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé officiellement lundi 3 septembre là année l'école là dans section communale Marouge côté plis passé yon centaine kit distribué cérémonie déroulé en présence de professeurs, parents et l'autre cadre ministère qui n'a département. Nous invitons à suivre. Parents, élèves et professeurs, mettez présent bien bonnet dans le matin dans le lycée de Sima d'Ossainville dans l'occasion de lancement officiel ouverture l'école là qui fait pour première fois dans la section communale Marouge. C'était l'occasion pour direction départementale ministère distribuer kits scolaires qui viennent là-dedans, cahiers, valises à crayon. Directeur départemental ministère éducation nationale là, oui, Blair Amiel Dufresne, insister sur l'effort qui lui est fait dans le temps élèves, parents et professeurs de l'école pour permettre l'année académique 2018-2019 là pour tes gros succès. Dans ce sens, il explique divers travaux qui déjà en main pour mettre en application disposition ministère éducation nationale. Nous avons fait ça et comportement, je suis capable de traduire pour me remercier le président de la République là, parce que tu pensé à eux et ça fait me comprendre. Jean yo a avancé avec engouement que yo gagné hein. Donc c'est pas nous pas gagné assez de kit pour nous distribuer ba yo. Pour professeur yo moi message m'ga lancer ba yo pour me dire que prends patience gouvernement pense à yo et que ministre actuel là squad démissionnaire sorti mette dehors en pile lettre depuis nomination moi depuis installation moi jusqu'à date nous distribué déjà environ 300 lettres. Parmi yon nan jodi an la, mwen genyen 94 ke mwen va le remettre et chef personnel mwen pou kapab enregistrer et passer bay professeur yo. Pour élèves yo, mwen mande yo pou yo mette beaucoup plus de volonté la kay yo parce que c'est pas l'heure n'est plus au plaisir et c'est pour nous garder actuellement comment monde là va avancer. Et Nelson Mandela te dit l'éducation c'est l'âme la plus puissante pour combattre l'ignorance et la misère dans un pays. Donc je pense autant que l'élève est formé, autant que l'école, yo bay tête yo pour yo capable de gagner meilleure formation, c'est autant que n'a gagner une meilleure société de demain. Quant aux parents, moi mandé yo pour yo bay tête yo beaucoup plus d'engagement. Longtemps les parents pas de connait lit, mais il t'a suivre
éducation petite, il a suivi et apprentissage de tout le monde. Distribuer kits scolaires par élèves, c'est une parmi les dispositions gouvernement en place d'apprendre pour accompagner maman et papa petit, surtout ceux qui sont dans une situation économique difficile. Yon délégation ministère éducation nationale qui sorti Port-au-Prince qui gen en tête li Emmanuel Bernard accompagné avec directeur département MNFP Noah Domis Zéphirin distribuer kit scolaire by plusieurs élèves ak parents dans ville là lundi 3 septembre là. Activité ça déroulé dans salle auditorium lycée Philippe Guerrier. D'après responsable yo, c'est un geste solidarité qui fait yon façon pour aider si là qui n'en besoin yo. Nous invitons suivre un extrait. Kit scolaire là son geste l'État, son geste gouvernement pour montrer que question de Haïti solidaire là c'est un bagage qui est important, mais tout c'est pour aider ça qui pas capable, ça qui gagne moins moyen yo joindre en façon de plus pour voir tout le monde et aller ça. Nous connaissons que question dure, donc ministère là ils font un peu l'effort, ils mettent des livres, ils bah uniforme, ils bah je dis à la collectivité sous ouverture et sous enjeu éducation, sous importance éducation en Haïti. On parlait de éducation inclusive comme septième ça qui est né pour année, une éducation inclusive pour une Haïti solidaire. Ça veut dire nous dit éducation c'est tout qu'on la donne. Pas qu'on éducation rabais. Pour les écoles privées, qui ont un programme, pour les écoles privées, qui ont un programme, pour les écoles privées, des professeurs travaillent, pour les écoles privées, des professeurs ne travaillent pas. Maintenant, nous disons que, faut que les professeurs, maintenant, c'est vrai qu'il y a des revendications qui sont nobles, pour capables de satisfaire les revendications au fur et à mesure, mais au même temps, faut que vous compreniez que les élèves n'ont pas perdu le coup, les gens ont perdu le coup l'année passée, pour capables au moins comprendre un jeu qui est dans l'éducation pour éviter éviter déçu, éviter trois écarts au niveau de la société, éviter division, tout ça. Il faut que Timounio ne pas frustré pour aller à l'école privée à travailler. L'école privée pas travail. Ouais, nous demandons à ce que vous même capable en tant que parent, en tant que professionnel. Maintenant, puisque l'État doit, l'État a payé, depuis qu'on l'a nomination dans mon l'État a payé le salaire. Maintenant, il faut que vous embarquez pour que l'année ça nous passions une belle année scolaire. Président Commission Éducation Chambasla, député Keter Jean-Philippe, mandé ministère Éducation nationale prend toute disposition pour éviter grève dans l'école publique pendant l'année académique 2018-2019. Là. Nous invitons suivre un extrait dans le micro Fédia Confident avec Moïse Ulbich. Parce que les parents ont courage, parce que les parents ont investi en pile pour faire une formation petite. Yo. Moi, je souhaite tout le monde partition pour nous faire une bonne année scolaire. Côté ministère pour responsabilité, engagement de la bonne et par ailleurs, on va accompagner les timounio pour être capable de faire étudier les soins, professeurs, présents dans la salle de classe pour faire cours. Un message pour enseignants, nous connaissons un métier difficile, il ne va pas payer nous assez pour nous faire métier ça, même penser son choix pour payer. Et vous ne pouvez pas camper là parce que nous devons battre jusqu'à ce qu'il y ait une importance à métier ça qui est un métier difficile. Et sans professeur, le pays n'a pas avancé, pas développé. Il y a un pile de débat qui fait sur la question manuel scolaire. Comme dit nous jusqu'à présent, manuel, il y a un pile là de focus sur le marché. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème qui existait entre la maison des champs et le ministère de l'Éducation nationale. Et d'abord, la maison des champs demande que le chèque là disponible avant de mettre les livres sur le marché. Et c'est comme ça chaque année, ils ont fait d'après l'information de M. Deschamps et Baye. Mais pour le ministère, si on l'aide d'engagement, Deschamps est capable de mettre les vieux sur le marché et puis dans un chèque là après. Moi, j'apprends que le ministère des Finances a travaillé sur ça pour mettre comme la disponible rapide pour que les vieux soient sur le marché très rapidement. L'autre dossier, président de la République, là, Joseph Lambert, annoncé, bureau sénat Jean-Henri Seyan, pour informer l'ICAVIN fait déclaration politique générale, li, non parlement. Sénateur Lambert dit rapport commission et spéciale qui tape travail sous dossier Jean-Henri Seyan disponible. D'après lui, sénat pas responsable. L'État qui fait premier ministre nommé à Conco, a fait déclaration politique générale. Nous invitons suivre un extrait, toujours dans le micro, Fédéral Confident, avec Moïse Ulbich. Il est question que le Premier ministre a présenté et soumette à l'appréciation sénateur copie déclaration politique générale là 48 heures à l'avance. Jusqu'à présent,
rien. Deuxièmement, il était impératif tout pour que nous assurions que le Premier ministre ainsi que le président de la République, là, de commun accord, mettez-vous d'accord déjà sur la formation cabinet ministériel. Ni moi-même, et moi-même comme président Sénat, et le président Gariboudo, et le commun des mortels, dont nous-mêmes la presse, très certainement, nous sommes capables de gagner une rumeur sur quelques mounes, femmes ou bien garçons qui étaient dans le cabinet ministériel là, mais nous pouvons même informer même de composition cabinet ministériel là. Nous avons précisé que commission spéciale qui travaille sur le dossier Premier ministre là, est prêt. Et est prêt depuis la semaine dernière. Et jeudi à même, à recevoir une lettre de commission qui va demander d'inviter le Premier ministre là, pour le Tavini même demain, pour le Tavini mardi, mercredi ou bien jeudi. Parce que l'impératif pour que c'est 48 heures à l'avance, tout sénateur gagne un dossier ça, puis est capable d'approprier au de lui, en façon pour qu'il adresse des questions pertinentes au Premier ministre sur des éléments contenus dans sa déclaration de politique générale. L'autre nouvelle, député circonscription Kay Ilavachla, Cloviro Bazdi, li d'accord avec l'idée commission spéciale sur amendement constitution qui souhaitait diminuer quantité député et sénateur qui trop lourd dans budget national là. Parlementaire a quoi une démarche comme ça qui a aidé gain plus travail infrastructure à développement qui fait dans société a. D'après Robas, il est prêt pour voter en faveur d'une proposition comme ça si la commission arrive à faire. Nous invitons aussi. Pour avoir un grand député pour chaque arrondissement, pour avoir un grand sénateur pour chaque département. Parce que sincèrement, moi-même en tant que député aujourd'hui, je réalise vraiment que chaque grand député, et par rapport à les coûts trésor public là, qui sont coûts normal, parce que pour un député fonctionner, si commission arrive à faire, nous invitons aussi. Pour avoir un grand député pour chaque arrondissement, pour avoir un grand sénateur pour chaque département. Parce que sincèrement, moi-même en tant que député aujourd'hui, je réalise vraiment que chaque grand député, et par rapport à les coûts de trésor public là, qui sont coûts normal, parce que pour un député fonctionner, il y a un ensemble de bagages qui doit à disposition pour fonctionner. Mais lorsque la quantité de députés est multipliée par et valeur bagages qui doit disponible pour un grand député, il y a une quantité qui vient tout non poids lourd pour le budget national, là, pour le trésor public. Là. Et là, on a regardé le niveau de pauvreté pays à gagner. Au lieu que nous allions dans que moi-même, moi, j'étais allé tout anciennement, qui c'était groumé pour chaque commune d'avenir en député. Par exemple, moi-même, au prime abord, après, je suis groumé en tant que député au cas qui la vache, pour la vache, je viens pour député parle. Mais dans le niveau, nous, la pauvreté à lui-même, la pour augmenter dans le pays, niveau misère gagnant, niveau des chances économiques pays après aller là, nous estimons que si d'avenir une réduction sous nombre parlementaire, tant à la chambre basse qu'à la chambre haute, l'étape fait population du bien. Parce que l'on additionne eh bien, et multiplier tout, eh bien, et qui ça qui doit être disponible pour un député fonctionner, eh bien, par nombre de députés gagné, nombre de sénateurs qui gagnent tout, ça fait en pile mal sur le plan économique à PIA par rapport à sa PIA qui a disposé en termes économiques. Directeur éducation départementale Centre Muller Jules Saint distribué kit scolaire by plusieurs élèves lundi 3 septembre dans occasion entre l'école là. Distribution symbolique ça fait dans l'idée pour aider quelques parents qui pas gen gros moyens pour entrer l'école là. Directeur fait connaître série distribution ça yo a continuer pendant année académique 2018-2019 là, yon façon pour plus de monde ka bénéficier. Yon extrait dans micro Rodney d'Orléans ak l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. La rentrée scolaire 2018-2019 là et comment nous accueillir avec qui sentiment et puis qui ça nous déplanifié pour que journée ça ait un véritable événement, un grand événement pour son véritable réussite. Ça c'est déjà un présage, pas vrai? C'est déjà un avant-goût que l'année 2018-2019 là l'avons réussite totale capitale. Nous t'es toujours voulu que son réussite y est dans le département centre là. Donc, c'est dans l'esprit, ça, ouais, toute couche, toute force, vive département, immédiatement après cérémonie,
traditionnelle cérémonie de la main du Saint-Esprit où elle nous dirige nous vers le lycée du Massé Estimé. Nous étions invités on paquet l'école pour venir recevoir qui scolaire, nous fin faire ça, mais nous t'ai quitté on l'école spéciale qui c'est nationale Immaculée Conception côté que nous t'ai fait un échantillon d'élèves, on cinquantaine élèves vini recevoir kit scolaire. Aucun peuple pas qu'à qu'on a un développement durable si le système éducatif n'a pas pris en compte. C'est qu'on soit ouais nous-mêmes à travers leadership ministre là, actuel ministre de l'éducation, actuel ministre là, Pierre-Joseph Ajinou Kader, sous leadership lui, n'a travail pour nous capables arriver à s'aurélé des écoles de qualité, des écoles de référence, pas vrai, pour nous capables permettre à Timounio faire des meilleurs apprentissages, pas vrai, et pour gagner des compétences actualisées qui installent la caillou pour nous capables de gagner l'autre société. D'ailleurs, thème rentrée scolaire à Nessam, je vous l'ai déjà, c'est une éducation inclusive, c'est pas exclusive, non? Une éducation inclusive, ça veut dire permettre que tout le monde ait accès à l'éducation, pour avoir accès à un même enseignement, qui est un processus par lequel l'enseignant détermine l'enseignant à faire des apprentissages, pour que l'école de qualité, ça, on a cherché à travers une éducation alternative, nous arriver effectivement implanter dans le pays d'Haïti, et c'est le ça, on a dit, en coup, pasteur, nous avons fait ce que nous avons pu, et c'est là notre meilleur ouvrage. N'a pris une pause, pas déplacé, n'a tourné. Dans le sport sous plan local, n'a pas les cyclisme, Jean-Willy Joseph remporté finale Victorium Coupe de la Présidence qui était déroulée dimanche 2 septembre 2018 sous Champ de Mars. À l'étranger, n'a pas les tennis, Suisse Roger Federer éliminé dans 8e de finale. Tournoi US Open, côté li perdu hier lundi en devant Australien John Millman en 4-7, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6. Voilà, amis téléspectateurs, journal live dans Boutli, nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester branché TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.